Bon, eh bien, écoutez, bah, ouais, c'est encore moi, hein, bien sûr. Donc, bah, écoutez, je dirais que la matinée a été porteur pour certaines choses, hein. Donc, j'ai rencontré le courrier de l'Ouest, hein, ce qui était, ils ont bien tenu leur engagement, et ça, c'est très bien, je leur remercie directement. Donc, avec ça, si vous voulez, j'ai rencontré une personne, hein, qui, lui, bah, écoutez, a été victime aussi, parce qu'on peut pas dire autrement, et ça a très bien tombé, hein. Par rapport, lui il a acheté un véhicule en décembre, donc il y a certaines choses que je veux pas trop divulguer non plus, parce que ça reste, on va dire, personnel. Donc du coup il était venu pour chercher ce véhicule, donc le véhicule n'étant pas prêt encore. Et voilà, donc je pense que c'est un soi-disant problème de contrôle technique. Bon, depuis décembre, c'est vrai que les contrôles techniques doivent être un peu débordés, hein, je pense. On est quand même au mois de mars. Donc du coup, la personne, bah, écoutez, dûment hein, quand même, donc ils vendent ses voitures quand même assez loin. Donc ça me fait un peu rigoler parce que la personne est repartie, mais avec un autre véhicule. Donc la personne a acheté un Touran et donc est repartie avec un Ford Focus. Donc c'est pour vous dire que bon, bah c'est pas grave. Hein, j'ai envie de te dire, bah il y a un problème avec ce véhicule, bah tu prends un autre véhicule. Bah, écoutez, moi c'est comme si vous voyez bien. On me dit, bah voilà, il y a un problème avec le 5008. Bah je te donne une BM là. Bon bah écoutez. J'ai envie de vous dire que bon, c'est la même chose, hein, voilà, c'est comme si, ouais, enfin, je vais pas m'éterniser sur le problème. Par contre, bah, sachez que je suis vraiment très touché par vos messages, hein, parce que franchement, j'en ai reçu énormément, hein, même en privé, bien sûr, des personnes qui sont prêtes à m'aider. Ouais, c'est voilà, donc c'est sincèrement, je vous en remercie. Bon bah écoutez, j'ai dit que je passerai la journée ici, je sais ce que je fais. Hein, voilà, il fait beau temps, heureusement pour moi d'ailleurs. Bon, sachez que la presse, hein, voilà, ils attendent le feu vert parce que soi-disant que je vais avoir ma carte grise pour la fin de la semaine, sauf que fin de semaine, bah écoutez, la mise en demeure est terminée. Donc, c'est le procureur après qui décidera de son sort, on va dire comme ça. Voilà, bah écoutez, je vous dis à plus tard et bien sûr, je vous tiens.